Bon, j'espère. Bien le bonjour tout le monde. Je vais faire une vidéo. Oui, parce que je vais vlogger. Je vais essayer de faire un week-end à Mille avec ma copinote Mumu. Bon, moi ça commence très mal. Hein. C'est vendredi, il est 19h bientôt, dans un petit quart d'heure. Et j'ai toujours pas commencé. Et là, je me suis douchée pour aller boire un verre avec les copines. Copines. Voilà, donc on va à la cave boire un petit verre. Donc je pense que ça commence mal. Donc on verra demain si j'arrive à lire. Et je vous reprendrai pour vous amener avec moi. Donc il ne va pas y avoir que de la lecture parce que j'ai quand même 2-3 choses de prévues dans le week-end. Donc bon, voilà. Voilà, voilà, voilà. Bon, allez, je ne vais pas discuter 2 ans. Là, je suis en train de marcher en me dirigeant vers le bar. On s'est pomponné. Hein, et on est parti. Allez, à plus dans le bus. Et le petit mot de ma copine. C'est voilà. La pilou. Coca. Alors mon 06, c'est le. Non, je me file à moi. Oh, Mickey est chiant. Ils étaient en train de filmer. Ah, ça va. Donc du coup, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal du tout. C'est vraiment sympa. Bon, j'ai changé d'alcool. J'ai arrêté le Perrier. C'est la faute de Loïc. Coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. C'est samedi 13 juillet. Je reviens toujours pour le vlog à 1000. Pour le vlog du week-end à 1000, qui est le week-end à 0 pour l'instant. Il est midi 5. La soirée a continué après le concert. On est allé dans un autre bar. Et on est rentré à 2h du matin. Donc ce matin, j'étais réveillée à 9h. J'ai glandouillé. J'avoue. J'ai glandouillé, mais plus. Donc pour l'instant, week-end à 1000, pas une phrase de lu. Pas un mot de lu, zéro, la tête à Toto. Oui. Je ne sais pas si je vais beaucoup lire, en fait. Je me suis lancée dans un truc que je ne peux pas gérer. Parce que là, à midi, j'ai une copine qui vient manger. Normalement, après l'après-midi et ce soir, je suis tranquille. Je n'ai rien de prévu. Et demain, je vais à un autre concert, pareil, dans un petit bar au village. Là, il y a un autre petit concert, donc je vais aller écouter ça. Hein, pour l'apéro, manger... Tranquillou. Et le soir, j'ai un autre truc de prévu, mais ça, je vous en parlerai le moment venu. Petite surprise, c'est une copine de livre. Oui, parce qu'à mes copines dans la vraie vie, je leur dis que c'est mes copines de livre. Donc, j'ai rencontré en salon, voilà, des gens que je rencontre dans ces moments-là et avec qui, du coup, ben, une affinité se crée. Et du coup, on se voit dans la vraie vie. Voilà. Bon, on va parler un peu lecture. Une lecture que j'ai toujours pas commencé. Donc j'avais fini un roman hier ou avant-hier. Non, parce qu'hier j'ai pas lu, donc avant-hier. Donc je vais en commencer un autre. C'est une lecture commune avec ma copinote Nanounette. Et on va se lire Jamais 203, le tome 1 de Millie Keane aux éditions Butterfly. Alors j'ai lu Millie avec Azmad. Je vous en ai pas encore parlé en vidéo parce que j'ai pas eu le temps. Donc du coup, il me tarde de découvrir ce nouveau roman. Excitation et appréhension en même temps. C'est du triolisme, donc j'ai hâte de voir comment ça va être abordé. Ça passe ou ça casse, généralement. Voilà. J'ai de très bonnes lectures où il y a voilà, rapport à plusieurs personnes protagonistes ensemble, amants, plus, ils sont plusieurs. Et des fois où c'est pas passé, voilà, parce que il me manquait quelque chose, voilà. Donc vraiment, j'ai envie de le lire parce que j'ai beaucoup aimé la plume de Millie dans Azmad, même si lui je l'aurais claqué, hein, faut pas. Et du coup c'est Blondie, enfin ma copine Julie qui m'en a parlé très souvent. Et c'est un énorme coup de cœur pour elle, donc bon, je suis bien évidemment ses conseils parce que voilà, on aime à peu près les mêmes choses et tout, donc.
je sais que je vais pas être déçue et j'ai hâte de voir jusqu'où tout ça va nous mener avec cette jeune femme et ces deux hommes. Voilà. Ouais, donc c'est en même temps l'appréhension parce que bon, moi je suis pas trop truc à plusieurs. Si, Mary Gentry, voilà. Et Mary Gentry, ça le fait bien, ça matche bien. Mary et ses multiples gardes dans sa garde rapprochée, du coup avec qui elle couche, avec tous d'ailleurs, même si elle a quand même une préférence pour trois de ses gardes. Et ça matche bien, j'aime bien, ça le fait bien avec Mary Gentry. Autant avec Anita Blake, non, mais avec Mary Gentry, oui. Donc là, j'ai hâte de voir comment Millie va aborder tout ça et va nous amener cette relation. Voilà. Donc, vous aurez compris que c'est une relation à trois. Deux hommes et une femme. Alors, je me fais mes scénarios déjà. Est-ce que c'est la femme et les deux hommes ou est-ce que même les deux hommes vont ensemble? Enfin, voilà. Donc, du coup, j'ai hâte de voir. Donc, sinon, pas grand-chose à vous dire. Là, à midi... Je ne sais plus ce que je vous disais dans le vlog, parce que j'ai été coupée entre de multiples coups de téléphone, copines, etc. Donc, là, midi, ma pote vient manger. Donc, j'espère après avoir un peu plus de temps. Vous avez Raymond derrière, qui est enfin rentré à la maison, qui s'est foutu un truc dans l'œil. Donc, l'œil, il l'a un peu fermé, il pleure. J'espère que ça va aller. Il était tout sur la table. Mais bien sûr, il n'y a pas d'autres endroits. Non, mais pff, ce chat. Je vous ai tout dit. Elle est pas belle la vie. On est pas bien là. Hein, ma Kiki ? Ouais. Hein. Me voilà reviendue. Donc on a migré de la table du salon de l'extérieur de manger nos petites huîtres qui étaient trop bonnes. On a migré sur les transats, à la piscine. Voilà, donc toujours zéro page de lui. Je suis d'une rentabilité et d'une efficacité à toutes épreuves. Et je sais plus parler aussi. À toutes épreuves. Du coup, j'ai croisé une copine au marché, on est allé au marché là avec ma pote. J'ai croisé une copine qui veut qu'on aille boire un verre ce soir. C'est plus possible à un moment donné. Je sais pas, je vais en mourir. Donc voilà, donc là on est transat et j'ai ma liseuse à côté, donc je vais essayer de gripper. Je sais pas si vous m'entendez avec la musique d'ailleurs. S'il faut, vous m'entendez pas. Il n'y a pas de gros plan là, oulala, vous allez vous faire peur. Donc du coup, ben, farniente. C'est bien aussi. Toutes ces glaces, me revoilà. Je sais pas si vous allez m'entendre avec la route. Du coup, on est chez un glacier. Voilà, on va manger une petite glace. Voilà, on a bougé, donc c'est tout nouveau. Ça vient d'ouvrir cette année, donc on vient tester. C'est des glaces artisanales. Donc du coup, on vient goûter ça. Voilà. C'est tout neuf. Bon, c'est bien évidemment une fois la glace entamée que j'ai pensé à filmer. Parce que ma pote m'a dit, tu filmes pas là? Donc voilà, mes petites coupes. Rocher et l'autre caramel beurre salé. Et moi, c'est framboise cassis. Classique. Recoucou. Donc, bah, toujours pas de lecture. Hein. Bah non. Oh, on est revenu à la cave à vin, encore une fois. Oulala. Mais je vous laisse, je reviens. Donc du coup, on est rentré. Je me prends comme ça pour pas que trop les gens voient. Après la glace, ma pote est arrivée. M'a raccompagnée jusqu'à chez moi pour être sûre que je me douche pour repartir boire un verre. Donc là, la quatrième vient d'arriver. Les deux autres sont à côté de moi et donc Rosé.
c'est elle, la méchante, qui veut que je sorte encore. Voilà. Donc du coup, mais pas de lecture encore, donc je pense que ce week-end ami... C'est le 06 d'hier. Il a... Il a fait une publication. Et du coup, pas de lecture, donc je pense que ça va être le pire week-end ami de toute l'histoire, donc ça va être zéro page, je pense. Donc je vous tiens encore, parce que demain j'ai encore une journée chargée, mais j'essaierai de vous amener quand même avec moi. J'espère que ça vous plaira quand même, même si on ne parle pas de lecture. Bon, si Punky répond, c'est qu'il est à la maison. Bouf. Non mais je sais pas, j'ai pas grand chose dans mon sac. On te fait chier ou quoi? Souris à la caméra. Souris à la caméra. Ça peut durer 2 heures. Donc du coup, on est parti du bar à Vern où on était. Je sais pas si vous m'entendez. Alors, si on est parti du bar à Vern où on était, et du coup là on passe au resto de ma pote, elle vient chercher 2-3 affaires là. Et on va chez elle, on fait soirée pizza, voilà. Tranquillement mais sûrement. Et là c'était pour vous montrer les tableaux, j'ai fait une petite post sur ma story d'une copine qui fait des posters. Donc voilà, bon, après c'est des posters qui sont de ma région, des endroits que l'on connaît. Voilà, donc je vous montre un petit peu et je trouve qu'elle fait des trucs trop bien. Voilà, petit cadre ici, là. Donc les Landes, voilà, le phare de Conti, enfin voilà, les endroits nous, on connaît tout et je trouve que c'est trop bien. Je vous montre un dernier. Hop, 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 voilà, ici, là, l'Itemix, c'est mon petit village. Voilà, avec le petit van, les planches de surf et tout, puisqu'on a l'océan. Et ici, Contis, avec le phare, la plage et tout, voilà. Donc, voilà. Et donc, du coup, c'est un expo au resto de ma pote, puisqu'elles sont amies et tout. Et donc, on peut acheter ces petits posters de cette demoiselle, qui fait des choses très très belles, moi j'adore. Et du coup, ici aussi, vous avez la pinasse, donc c'est une association de pêche de notre village, les Landes encore ici, et au fond là ici vous avez Léon, un autre village pareil pas très loin, la Pierre Saint-Martin, ici une station de ski des Pyrénées, pas très loin de chez nous non plus, voilà, et donc vous pouvez retrouver sur son sur mon Insta, je vais essayer de le mettre à la une d'ailleurs, vous cliquez, en fait elle est sur des sites pour acheter les posters. Ou sinon après elle fait le petit marché ici dans mon village et tout. Voilà, moi je trouve que c'est génial ce qu'elle fait quoi. Voilà, c'était histoire de blablater, ça vous intéresse peut-être pas, mais bon, voilà. Donc du coup là on prend les affaires et on va chez ma pote. Les autres potes sont allés chercher les pizzas, voilà. Au niveau lecture, on en est toujours à zéro, la tête à Toto. Donc Milly, si tu passes par là, je n'ai pas encore commencé ton roman, mais une fois que je vais commencer, je vais m'y mettre. Mais le week-end, c'est toujours très compliqué, voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire, oui, je vous montrerai tout à l'heure, une fois arrivé à la maison de ma pote. Voilà. On continue sur la lancée. Eh ben, tu peux enlever ton short, hein, si tu veux, si t'aimes. Oh, c'est vrai que l'estival a l'air trop bonne. Ouais. Alors, goûtez pas celle-là, parce que celle-là, elle est pas très bonne. Regarde, regarde. Mmh, putain, qu'est-ce que tu as avec une ou deux. Non mais c'est vraiment... Qu'est-ce que tu veux, une olive? Un bonheur à chaque bouchée. Celle-là? Ouais. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est dimanche. Dimanche 14 juillet, il est 9h20, donc Raymond et moi on profite d'être dehors parce qu'il fait trop bon. Hein? Pour une fois que monsieur reste là, hier soir la soirée s'est finie, je suis rentrée vers avant minuit. Oui, Cendrillon rentré avant minuit. Non. Donc avant minuit, on a fini chez la copine, donc on a mangé les pizzas, discuté un petit peu. Et puis... Tout le monde au dodo. Voilà, donc là je vais aller arroser mon potager, petit déjeuner, et après je vais me poser un peu, me doucher et attendre que ma pote arrive pour aller rejoindre les copains au petit concert qui a lieu à 11h au resto.
de ma pote. Voilà, donc je vous embarque encore avec moi. Mais il n'y a toujours pas de lecture. Coucou, me revoilou. Donc il est 17h. On est resté au bar pour le concert jusqu'à 14h30, je pense. 14h30, 15h, je pense. Le temps d'arriver à la maison. Là, on a continué. J'avais deux copines qui étaient là, donc on a continué à discuter. Là, elles viennent de partir. Il est 5h. Je vais me poser un petit peu. Je pense que je vais regarder la télé ou écouter des petites copinotes sur YouTube. Parce que lire, je pense que ça va m'endormir. Et je repars vers 18h, 18h15, je pense, pour Vieux-Boucau, un petit village à 35 minutes de chez moi, où je vais voir une copinote. On va manger ensemble avec elle chez eux, dans sa petite maison de vacances. Avec son mari et son fils. Et après, on va aller voir le feu d'artifice, puisque c'est le 14 juillet. Donc voilà, on va aller voir tout ça. Et rentrer tranquillement, parce que demain, il y a école, enfin, il y a travail, et que ça risque de piquer fortement. Mais bon, c'est l'été, il faut profiter des bons moments. Là, il fait encore un temps radieux, et on a passé une bonne journée, là encore, enfin, un bon midi, c'était vraiment sympa. Vu les copains et tout, papoter, on a mangé une petite planche de charcuterie, fromage et tout, c'était trop bien. Et voilà, donc tranquillement mais sûrement. Et puis, je vais me poser là et puis je vous retrouve plus tard. Je vais essayer de filmer arriver là-bas, pour vous montrer avec qui je suis déjà. Mais faut pas que j'oublie, parce qu'une fois qu'on va se mettre à discuter, faut pas que j'oublie. C'est un peu le problème. Donc voilà, ben, je vous dis à tout à l'heure. Me revoilà, il est 6h30, donc je suis prête, je vais chercher ma voiture, je vais laisser au boulot, j'en ai pas besoin de ce week-end, donc là je vais chercher ma voiture et je vais me diriger vers Vieux-Boucau. Voilà, j'en ai pour, suivant le monde sur la route, 35 minutes je pense, 35-40 minutes, parce qu'il faut que je trouve où c'est en plus, parce que je connais un petit peu, mais... trouver une place et tout, parce qu'en plus il y a le feu d'artifice, je pense qu'il va y avoir du monde sur Vieux-Boucau ce soir. Voilà, donc je vous entraîne encore une fois avec moi, et puis ça clôturera ce superbe vlog du week-end à Mille. Je pense que je vais pas le nommer comme ça, hein, sur le titre, hein. Je crois que je vais mettre zéro la tata toto. Pour ceux qui auront suivi le vlog, ils comprendront. Pour ceux qui verront que le titre, ils se diront elle fait ma moquette celle-ci. Voilà, donc je vous dis à tout à l'heure. Mettre la table. Qu'est-ce que tu fais? Tu me prends photo? Tu dis bonjour. Dis bonjour à mes Salut. Abonnés. Salut. Regarde avec qui je suis. Avec Julie de la Romance. Avec Blondie. Thank you.
au boudoir de Candichat, vous a mentionné dans sa... Dans sa... Putain, il pète quand même ce feu d'artifice. Putain, on vous fait un petit coucou. Bon, il faut que j'arrête d'être prêt quand même, ça fait peur. Donc, ça fait un peu sous les laines, tu sais, on dirait les trucs des... des... Oh putain. C'est l'été, c'est normal. Non, voilà. Oh, ouais, belle. On a regardé le feu d'artifice, on vous en a montré un petit bout, c'était très joli. Ah, c'était super. C'était très très beau, le final était magnifique. Ah ouais, ça pétait dans tous les sens, ouais. C'était trop super. Ouais. Ouais. On s'est régalé. Donc voilà, c'était Julie que je venais voir aujourd'hui. J'ai bien tenu le suspense jusqu'à maintenant. Je vais en rester là de mon vlog, je pense, de mon week-end à 1000. Ah, t'as fait... Bah, t'as fait un 1000 à l'heure, mais d'alcool et de... de sortie, voilà. Mais pas de lecture. Non. Voilà. Donc on vous fait de gros bisous. Bye bye. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je viens en fait pour clôturer le vlog. Donc comme vous avez pu le voir, il n'y a pas eu beaucoup de lecture, il y a eu beaucoup de sorties, beaucoup de copains, copines, pour profiter du week-end et du soleil et de l'été. Même s'il n'y a pas eu, on n'a pas parlé de lecture, j'espère que ça vous aura quand même plu. Donc je suis arrivée à zéro, pas eu le temps, donc bon, je vais reprendre le rythme quand même cette semaine, hein, voilà. Et je vous retrouve plus tard, j'espère que ça vous aura plu, et je vous dis à bientôt. Bisous câlins.